Mercredi 22 mai 2024, bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans la troisième édition Journal Créole, nous, qui a présenté au Pazami Jerry Chirestal en collaboration avec VOA Créole depuis Washington, D.C. Quelques points cap dominé actualité à conseil présidentiel transition mettez au travail à regarder au état-major PNH là dans moment nèg examen a misimen la troublaille dans toute capitale. L'autre point cap dominé actualité à président Kenya William Ruto trouvé dans pays États-Unis en dedans Washington dans cadre yon vireron dans moment Kenya apparaît pour prendre tête en force multinationale là pour entrer dans pays d'Haïti. Pays Irlande, Norvège et l'Espagne annoncé yo chaque pral reconnaître Palestine comme yon état membre dans cadre d'une solution deux états Israël et Palestine. C'est tout pour ça yo à divers notes nous va gagner pour développer pour jeudi à dans journal ça rete connecté avec nous yon façon pour bien informer pendant n'a essayer prendre yon petite pause tout de suite. Une autre fois encore, bonsoir pour nous tous et bienvenue dans le développement journal SILA. Conseil présidentiel transition, lui-même qui mettait dans quatre poules travail en deux concerts ensemble avec un haut état-major PNH, France LB, et bien, il y a plusieurs résolutions qui ont même prend pour que vous-même soyez capable de créer moyens pour capable et bien mettre dans toute crédibilité et pour travailler pour montrer comment que ça qui même qui paraît puis urgent pour eux-mêmes et pour toute population, c'est ça qui est la sécurité. Dans le moment, conseil là lui-même a travaillé ensemble avec l'état-major et c'est dans le moment ça, nèg examen eux-mêmes, ils ont décidé si la trouble plus et surtout dans le moment côté eux-mêmes, ils ont été prendre une série de informations de conseil, ils ont pris une série de informations de Kenya lui-même rentré là comment le capable dans le pays d'Haïti. Et bien nèg Zamyo, début semaine passée, yo commencé faire un semaine onse de brigandage et nan kwa de bouquet, yo même yo crasé commissariat et puis ailleurs encore zami internaute hier soir, nègan ISO 5 secondes yo débarqué nan moment côté que yo entré nan commissariat, nan sous-commissariat Matissan 1, yo crasé non seulement yo mette du feu là-dedans, tout ça qui te gagne là-dedans, yo rivé brûlé et gagne tout commissariat qui trouvait là commissariat qui trouvait directement madame mademoiselle des messieurs dans bloc dans plusieurs endroits yo même yo décidé si mais là tout bas plus c'est bouler craser et briser de façon pour monter ensemble avec conseil présidentiel là même il y a bal travail et surtout ensemble avec les 400 maozoa qui était décidé faire déclaration ça ensemble avec Jeff Gaulois comme quoi que pas supposé gagner commissariat pas supposé gagner prisonnier tout policier il supposé marcher en civil sinon quel que soit n'importe côté ou jeune et bien même il a fait bois calé pour yo même gens isolé même li toujours traité policier yo comme fatra. Conseil présidentiel transition toujours yo même yo décidé pour que yo capable faire un assainissement dans toute zone métropolitaine là. Dans le cas de ça, ils ont déjà rencontré ensemble avec plusieurs magistrats dans la zone métropolitaine. Et eh bien, ils ont déjà gagné 1 milliard de gouttes qui déjà décaissé pour que l'assainissement soit capable de faire dans le pays, dans toute zone métropolitaine, pour comment ils sont capables de nettoyer, dépisser un endroit qui gagne pour capable bailler et bien pays d'Haïti ou du moins tout dans bloc métropolitain yon l'autre figure yon l'autre visage pour être capable bailler exemple avec plusieurs autres côtés côté ou même yon va décider pour nettoyer tout côté dans capitale. Gagné William Ruto lui-même qui déjà entré dans pays États-Unis lui-même qui chita kol dans Washington yon va gagner pour président Joe Biden déjà recevoir qui c'est yon visite d'état et bien demain c'est pour la 60e année et bien diplomatique qui gagne en deux pays ça yo et bien yo même qui gagne de grandes relations et surtout ensemble avec Kenya qui était décidé pour quelque part prendre et bien tête force multinationale là pour entrer dans pays d'Haïti et bien mission ça qui gagne pour quelque part rentrer dans pays d'Haïti William Ruto lui-même dit li pas camper sous décision et bien force multinationale
là l'a toujours dans tête li et déjà gagné plus que 200 policiers Kenya qui trouvent dans pays d'Haïti qui trouvent dans pays États-Unis pour que eux-mêmes yo capable rentrer et avant 200 policiers ça yo entrer dans pays d'Haïti t'es déjà gagné lundi qui se passait là yo délégation 50 ans au grand officiel pays Kenya qui entrer dans pays d'Haïti pour que eux-mêmes yo capable venir faire toute dernière préparation pour que force lui-même les capable rentrer dans pays ici là. Entre-temps, même force multinationale là qui doit entrer dans pays d'Haïti, d'après toute dernière information qui rivée joint nous, eh bien jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier moment, eh bien d'après journal Miami Herald, eh bien l'assemblée force là lui-même, li pa pral gagner possibilité pour ta retourner pour ta entrer dans pays d'Haïti demain 23 mai cap VA, eh bien pral gagner un retard à cause de achat matériel tant que blindé, hélicoptère et ensemble avec drone et fusil, tout matériel ça aussi pral matériel qui permet que force multinationale là li gagner un retard qui fait que li pa capable rentrer demain amis internautes qui c'est 23 mai 2024 là dans pays d'Haïti et bien lui son date et bien rentrer force Kenya lui reporté pour début mois de juin 2024 là et bien c'est ça d'après toute dernière information et bien journal Miami Herald qui trouvé dans pays États-Unis lui-même lui rivé fait nous connaître. Yon l'autre côté gagné citoyen Leslie Voltaire lui-même qui représentait parti famille Lavalas nan conseil présidentiel là nan yon interview avec France 24 lui-même li déclaré et que force multinationale là qui gen pour entrer dans pays d'Haïti c'est pas yon bataille qui pral fait corps avec corps c'est pas yon bataille direct et bien koute pral fait ensemble avec bandiyo c'est on série de policiers qui pral rentrer pour que même capable protéger infrastructure yo et pour protéger tout bâtiment l'état et bien bataille ça li capable rivé possible dans le cas où si toutefois et bien bandi yo ta attaqué policier Kenya yo laisse ça et bien un travail ça peut-être li capable yo travail réalisable mais quand il s'agit de policier Kenya yo c'est pas déchouqué ou vinn déchouqué bandi c'est pas bataille yo pral vinn bataille avec bandi mais c'est infrastructure qui au même yo pral vini pour capable protéger dans pays d'Haïti. De l'autre côté, gagné pays Irlande, Norvège ensemble avec l'Espagne, yo tout yo annoncé que au même yo pral reconnaître Palestine comme un état membre dans cadre solution deux états qui gagne entre Israël ensemble avec Palestine et Gaza qui commencé depuis le 7 octobre 2023 et jusqu'à présent qui pas jamais campé et gen déjà pays Israël qui déjà touye yon latriye moun nan Gaza et gagné premier ministre Benjamin Netanyahu lui-même qui pas décidé camper sous guerre et lui-même lui dit faut guerre li continuer parce que trop moun ki mouri nan pays Israël et gagné yon latriye moun ki ou kidnappé et bien yo aller ensemble avec yo en Palestine yo supposé joine moun sa yo tout autant ki ou pas joine avec guerre lui-même li fait carré commencer li fait carré continuer et bien nan Moyen-Orient. Toute décision qui prend pour que force multinationale entre dans le pays d'Haïti, zami internaute William Ruto lui-même dit, li pa fè bak, li kanpe sou décision ferme, même lorsque force multinationale lui-même li pa ta ka rentre demain kap vini là, mais quand il s'agit pour que eh bien force ali entre n'importe moment, n'importe jour, eh bien force ali même est disponible pour qu'il capable pour que Kenya li prend tête force multinationale là tête mission pour qu'il soit capable et bien bailler une solution avec Haïti avec gang qui a bail problème qui a simé la troublaille dans toute zone métropolitaine et pourquoi pas dans tout pays d'Haïti. Nous content pour nous te présenter au journal jeudi à rester connecté avec nous et n'a croisé demain pour 4e édition journal créole nous n'a quitté ensemble avec la voix d'Amérique pour plus de détails et pour plus information. Quelques grands points cap dominé actualité.
Travail, conseil présidentiel transition, ak état-major police nationale, nan moment gang armé continue à semer la terre dans la capitale. Président Kenya William Ruto trouvé dans Washington, dans cadre d'un viré aux États-Unis, nan moment Kenya a paré pour prendre tête une mission multinationale en Haïti. Et puis concernant l'actualité dans la région Moyen-Orient, Irlande, Norvège et Espagne annoncé chaque y a reconnaître la Palestine comme un état membre dans cadre d'une solution deux États Israël-Palestine. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous va développer pour dans un petit moment mais nous va d'abord dans pays d'Haïti côté te gagne une séance travail entre conseil présidentiel transition ak état major police nationale dans moment gang armé continue à semer la terre dans capitale là. Yves Manuel c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Conseil présidentiel transition a organisé une séance travail avec haut état-major police nationale d'Haïti pendant journée mardi 21 mai 2024 là. Rencontre ça te gain pour objectif discuter opérationnalisation mission multinationale appui à sécurité résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies créé. Pendant échange, décision prend pour police nationale d'Haïti diriger opération sous terrain. Il a chargé tout pour composer troupio objectif règles engagement à contrôle sanitaire toute activité ça a coordonné et supervisé bon côté autorité police haïtienne selon conseil présidentiel semaine qui s'est passée là CPTA t'a organisé une rencontre avec chef bureau intégré Nations Unies et représentante secrétaire général Nations Unies Maria Isabel Salvador réunion travail ça t'a chita sur résolution 2699 conseil sécurité qui autorisait déploiement mission multinationale soutien à sécurité dans pays d'Haïti. Edgar Leblanc fils actuel président conseil présidentiel transition déclaré et n'a cité nous même dans conseil là nous clair sécurité population c'est priorité nous et faut que malfrayo récolter ça aussi mais fin citation n'a souligné gagnon délégation kenyane qui rivait dans Port-au-Prince lundi 20 mai dans l'idée pour préparer déploiement mission multinationale là membre délégation doit rencontrer responsable bureau intégré Nations Unies en Haïti et responsable police nationale d'Haïti mission multinationale là ta doit déployer dans pays d'Haïti dans fin mois mai malgré diverses avancées qui fait dans mise en place force multinationale là gang yo pas décidé baisser les armes. Moi c'est Yves Manuel de Port-au-Prince pour VOA Créole. Et puis pendant ce temps, les bandits armés dans Croix des Bouquets et dans plusieurs autres zones, dans les zones métropolitaines Port-au-Prince, continuent à abîmer la terre, côté que y a crasé même l'infrastructure, la police. Renat Toussaint gagne un détail sur la question. Dans le moment, les États-Unis intensifient si Paul en termes d'équipement vis-à-vis police nationale haïtienne pour plus bien faire face carré à bandes criminelles qui prend le pays d'Haïti en otage. Là. Eh bien, bandi yo vle démontrer yo pa peur, yo pa fè bac, puisque nan soirée mardi 22 pour l'ouvri mercredi 23 mai 2024 ça, moun l'état haïtien poko identifié boulé sous commissariat police Matissan. Pendant journée mardi 22 mai 2024 là, nek armé crasé sous commissariat police Corail Cisles qui nan commune Croix des Bouquets. D'après yon source policière, présumé bandi yo t'es tiré un pile coup d'armes automatique dans le moment où t'as mené opération, ce qui t'a paralysé activité scolaire, yo, qui commençait à reprendre dans différents endroits. Dans la même journée, hier, bandit armé t'a pillé plusieurs entreprises dans la zone Croix des Missions, à Santo, pour citer ça seulement. Week-end passé, bandit armé t'a déjà crasé commissariat police cabaret à Croix des Bouquets. Ou commandement PNH là, bako de pal, dit y a travail sérieusement pour capable mettre bandio hors d'état de nuire. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. N'a quitté Port-au-Prince, n'a pas entré dans diaspora haïtienne, surtout dans ici aux États-Unis, côté leader communauté ak religieux dans communauté haïtienne dans Brooklyn, New York, planifié pour organiser une vigile ak rassemblement en collaboration ak révérend Al Sharpton pour supporter force multinationale MSS là qui pral rentrer très bientôt en Haïti pour supporter police nationale là dans combat dans lutte contre gang yo. Valérie Saint-Louis depuis New York.
Alors que force multinationale là qui gagne à la tête du pays Kenya déjà sous place en Haïti pour implémenter support à police nationale là pour couper insécurité et combattre contre gang yo dans communauté haïtienne dans diaspora grand pile réaction qui a tombé dans Brooklyn New York côté que nous rencontrer avec plusieurs leaders religieux leaders communautaires qui mettaient ensemble puis organiser un vigile jeudi 30 mai ça dans l'église évangélique Crusade Christian Church côté que ensemble avec révérend Al Sharpton jeudi 30 mai ça nous t'ai rencontré avec leader ça qui a lancé invitation par communauté haïtienne nous gain docteur compa avec nous Mona Lisa docteur Marcel et pasteur Leslie Thomas, nous tous les trois, nous tous les cinq, nous là, et pour nous capables de faire communauté à connaître que nous avons un grand coquin chaîne rassemblement à fête et jeudi 30 mai à 7h du soir avec le révérend docteur Al Sharpton. Al Sharpton, est, comme nous connaissons, c'est d'abord un ami communautaire. Là, nous faisons un pile travail avec lui depuis des années, plus de 20 ans. Et en plus de ça, il a un pile contact au niveau de l'administration américaine, en particulier au niveau de l'exécutif. Il y a une nécessité dans la situation, dans la crise que nous avons passée, que nous avons une réponse extrêmement rapide sous la crise terrible que Haïti a traversée, en particulier la question de sécurité. Et nous connaissons ce qui est passé, donc il était nécessaire dans la vision par nous que le plus rapidement possible nous joignons aide dans l'administration américaine pour aider nous résoudre question sécurité hein, sous quelque soit forme que nous pensons qu'il était possible et puis il y a une nécessité pour nous voir dans quelle mesure dans le même temps que nous adresser problème communauté haïtienne dans Boïsit en particulier suspendre le fait que le gouvernement américain te continue à voir haïtiens tourner en Haïti problème insécurité qui a censé et causer en pile haïtien t'a vler la caillou t'a voulait stabiliser la caillou avec famille mais yo trouvé dans le besoin pour venir en terre étrangère qui pas toujours du tout facile mais quand même et on pense nous toutes qui là nous là pour nous capable parler dans nos peuple ça qui pas gain voix et c'est nous même qui là pour nous capable représenter pour yo et nous espérer que allier nous yo comme révérend Al Sharpton par exemple qui gain pour venir là le 30 il est capable de venir pour camper ensemble avec nous, de conseil avec Guerline Joseph, tout, qui a fait un super travail du côté du Congrès américain. Faut nous tout bail, support et apport pour rassemblement qui va le faire là avec Révérend Al Sharpton. Le 30, non seulement Sharpton a plein, mais délégation New York là, qui ont présenté l'État de New York dans, Congrès, dans Washington DC, c'est au tout cap là. Raison, c'est parce que nous tous connaissons. Parle d'une force multinationale entrée en Haïti. Après force la finale, nous allons retourner dans le même lobby. Révérend Sharpton a déjà une plateforme. Tout le monde connaît qui est Sharpton. Il y a le monde, il y a le c'est dans ce sens la présence de là pour nous faire connaître que non seulement force la va l'entrée, après force la, nous avons besoin de l'armée d'Haïti pour l'administration Biden encadrer, supporter l'armée d'Haïti. Lorsque force l'aller pour Haïti par retourner dans même l'obéi que n'a vivre dans le moment que n'a parlé là. C'est donc dans l'événement de prière, vigile et rallye que la communauté haïtienne a invité jeudi 30 mai ça avec participation révérend Al Sharpton et plusieurs leaders religieux et politiques dans la communauté haïtienne à New York là. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis d'avoir quitté New York et d'avoir rentré ici aux États d'avoir rentré ici à Washington côté que président Kenya William Ruto trouvé le nan d'ici pour yon vireron aux États-Unis dans moment Kenya apparaît tant que nous attendons là pour le prendre tête yon mission multinationale dans le pays d'Haïti. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe depuis la Maison Blanche. Jean-Robert. Merci Jacqueline. J'en dis à moi dans la Maison Blanche, côté président Joe Biden avec le président américain Jill Biden, à part que président Kenya et William Ruto ensemble avec le premier dame Kenya. C'est dans le cadre d'une visite d'État qu'il a fait aux États-Unis. Déjà, couple là, déjà aux États-Unis depuis quelques jours. Mais c'est mercredi 22 mai, il est arrivé dans la capitale fédérale américaine, dans Washington DC. Et c'est le premier dame américain, Dr. Jill Biden, qui a accueilli dans Andrews Air Force Base dans l'État Maryland. Et d'abord, son visite d'État, et visite à l'Ivlédia, il y a toute importance pour le président kenyan, surtout parce que ce n'est pas facile pour un président américain accueillir un président
africain pour une visite d'État dans Washington. Et président Biden, ensemble avec président Ruto, ils ont rencontré. Il a fait avec les chefs d'entreprise américains, très certainement avec délégation Kenya, qui normalement gagne chef d'entreprise Kenya dans le monde, dans le cadre des démarches qu'a fait pour jouer un nouveau marché pour produits Kenya et chercher l'autre débouché tout. C'est donc le président Kenya lui-même, il a pour lui d'abord vendre pays avec chef d'entreprise américain. Ensuite, il y a un dossier Haïti, en plus de relations bilatérales entre Kenya avec les États-Unis. Le dossier Haïti a été dans le débat, nous connaissons que les États-Unis étaient battus bravo, les Kenya étaient acceptés pour prendre tête une force multinationale qui n'a pas garanti la sécurité ou pour accompagner la police nationale là, pour garantir la sécurité dans le pays et permettre le déroulement d'élections. Donc, les États-Unis étaient salués pour ça. Donc, c'est une rencontre ça qui a fait. Et c'est va jeudi, avant un dîner d'État que les États-Unis ont organisé pour accueillir la coupe présidentielle Kenya. Voilà, c'était depuis la Maison Blanche. Moi, c'est Jean-Robert Philippe pour VOA Creole, Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe depuis la Maison Blanche. Et tant que Jean-Robert s'est expliqué, la visite d'État, ça, il y a un symbole, il y a une signification, il y a un paquet d'autres éléments qui entourent. Mais Jean-Robert Philippe a retourné pour le dire nous. Qui ça la Maison Blanche même dit pour qui ça que yo fait choix de leader William Ruto pour faire visite d'État ça. La Maison Blanche bah trois raisons qui fait lui inviter président kényan William Ruto dans une visite d'État dans Washington DC après 16 ans côté aucun leader africain pas fait une visite comme ça sous territoire américain. Parmi les raisons, il y a une conviction démocratique de gouvernement partagée dans approche yo pour aider le secteur privé à satisfaire objectif gouvernement. D'après Frances Brown, directrice affaires africaines dans le Conseil de sécurité nationale des États-Unis, c'est décision qu'elle a prise ça pas longtemps là pour accepter prendre tête une mission sécurité en Haïti avec participation 1000 policiers kényans. Responsable là qui va avoir la première interview li depuis li occupé poste là dit "We chose Kenya for a few reasons." Number one is the Kenya-U.S. partnership has really grown. Nous choisissons Kenya pour quelques raisons. Numéro un, partenariat Kenya-États-Unis a grandi, soutenant un partenariat régional pour arriver dans un partenariat mondial. Nous vraiment satisfaits pour façon Kenya agit pour jouer un rôle leadership plus loin que région africaine. It is the highest diplomatic honor that our president can bestow. Cameron Hudson, un responsable programme africain dans centre stratégique en international studies qui t'a préféré à visite d'état président William Ruto parler pour le dire c'est un gros honneur diplomatique président noir capable de recevoir. Responsable aussi pour le dire c'est indicateur une relation bilatérale importante entre deux pays. Comme ça mettez Kenya dans un niveau en dit tant qu'au Japon qui c'est dernier pays qui t'a fait une visite d'état aux États-Unis moi quoi geste là li symbolique le fait que Kenya recevoir même privilège avec ancien partenaire sécurité États-Unis. Sur question Haïti, Madame Frances Brown dit administration américaine a approuvé un fonds $300 million pour supporter mission. Tant qu'on capable au courant, nous gagnons plusieurs mois depuis n'a planifié akyo grâce à support expert étranger pour développer un système opération. Bref, on dit Kenya pas lagué pour compte lui dans mission si là. L'administration américaine fait connaître il a profité de visite chef d'État kényan aux États-Unis pour signer une série d'accords dans le domaine technologie, gestion climat, soulagement de dette avec santé. Le président kényan William Ruto Bokodepal a ajouté la profité de présence li dans Washington pour lui discuter dossier dette en pile pays africain, même genre avec pays le Kenya, et puis chercher un ajustement dans objectif financier international. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe, vous sur VOA Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être branché. Merci d'être branché. Moi, c'est Jacqueline Bélizet, actualité à peine dans la région Moyen-Orient, côté des pays tant qu'Irlande, Norvège, l'Espagne. Eh bien, il y a même annoncé que chaque qui a pu reconnaître
Palestine comme un État, toujours dans le cadre d'une solution pour gagner deux États, existence deux États dans la région Moyen-Orient, en parlant de Palestine avec Israël. Sandra Lemaire. Norvège, Irlande et Espagne disent qu'ils vont reconnaître un État palestinien. Annonce que vous pourrez le faire officiellement 28 mai, t'es faite une après l'autre, en commençant par Norvège, qui t'a aidé à négocier l'accord de paix Oslo dans l'année 1990. Jonas Gahr Støre, c'est premier ministre là. Regeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina. Je dis pas qu'il y a la paix dans le Moyen-Orient si pas qu'il y a une reconnaissance. Il y a une intention de mettre à niveau bureau représentatif dans Cisjordanie pour faire tourner une ambassade. Premier ministre irlandais Simon Harris dit l'autre pays capable de décider pour te coller à Kyo. In the lead up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. Monsieur décrit journée jeudi à comme une journée historique et importante pour Irlande et Palestine. Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lui-même annoncé décision pays devant Parlement. El próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Sanchez précise reconnaissance ça pas contre personne et pas contre peuple israélien. C'est une action en faveur de la paix, justice et cohérence morale. Annonce historique mais largement symbolique là a approfondi plus isolement Israël. Plus passé 7 mois après l'été terminé la guerre contre Hamas dans Gaza. Julie Norman, c'est un professeur adjoint politique à relations internationales dans l'université UCL, University College London. I do think these states' decision regarding statehood. Il dit quoi décision pays ça vis-à-vis État palestinien, décision Cour pénale internationale et même l'ONU, ça gagne quelques semaines de ça, indiqué qu'il y a un monde là. C'est peut-être pas repousser, mais créer un équilibre entre ça qui représentait influence puissante États-Unis pendant le conflit, et ça en plus on voit comme trajectoire pour Palestine. Israël t'a dénoncé décision mercredi tout de suite et puis rappelé ambassadeur ligayen dans 3 pays Sayo. Premier ministre pays, c'est Benjamin Netanyahu. Assaut la tête Medina. Il y a intention pays européen ça y est pour reconnaître l'État palestinien égale une récompense pour terroristes. 80% palestiniens en Judée et Samarie appuyé massacre terrible 7 octobre là. Malheur ça a pas mérité au pays. Palestiniens yo même bat bravo pour annoncer ça comme confirmation lutte y a mené depuis plusieurs dizaines d'années pour créer un État dans Est Jérusalem, Cisjordanie et Ban Gaza. Which comes at the darkest hour of our history. We thank those countries for taking this principled position. Israël t'a saisi territoire Sayo dans la guerre Moyen-Orient en 1967 et l'y contrôlait toujours. États-Unis t'a servi avec pouvoir veto dans le Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution qui t'a visé quitter Palestine vie membre Nations Unies. Ça pas gagné longtemps. Ambassadeur américain dit faut que ça fait après négociation la paix israélo-palestinien joigne résultat. Tandis que il y a 140 pays qui reconnaît l'État palestinien, cascade annonce reconnaissance, t'as capable de créer un momentum dans une époque côté, même alliés proches Israël, pas suspendre critique pour comportement dans Gaza. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Pendant ce temps, eh ben, Israël continue à pilonner Gaza dans le cadre de la guerre Israël-Hamas. Et puis l'autre point dans l'actualité, la menée dans le pays Iran, côté leader suprême, Ali Khamenei, eh ben, prié sous cercueil défunt président pays Ibrahim Raisi. Avec ce ministre Affaires étrangères et l'autre autorité qui mourit dans un accident hélicoptère dimanche qui se passe là.
Après ça, des centaines de milliers de monde te suivent mercredi une procession pour honorer défunt yo sous principal boulevard Téhéran. Nous capables là et Ali Khamenei, leader suprême et Iran. Et même, il était paraître clair que service funéraire président Ibrahim Raisi avec l'autre yo t'est attiré une foule plus petit comparé à la cérémonie qui te fait en 2020 pour honorer général garde révolutionnaire que les États-Unis ont éliminé avec une attaque drone dans Bagdad. En pile monde qui t'a gardé possession dit que yo t'est venu Téhéran sorti dans l'autre ville Akbouk dans pays. Et puis, Fon dit tout que gagne un chef Hamas là, en parlant de Ismaël Haniyeh, qui était présent tout dans et prière mercredi, deux jours après que Cour pénale internationale te mette un mandat arrêt derrière lui-même, avec l'autre responsable israélien pour ça, t'a dit que c'est un crime contre l'humanité. Raisi te gagne présidence là dans la dernière élection avec une participation qui était très faible en pile. Donc, c'est un leader qui pat totalement populaire dans le pays Iran. Qu'on s'a tout gagné l'autre secteur dans la vie nationale dans le pays Iran qui yon même bat bravo pour le mort président. Et puis l'autre point dans l'actualité, nous allons parler élection dans le pays Mexique. Espoir, doute, pendant que le pays a préparé pour et possibilité pour gagner une première femme comme président dans l'élection qui a gagné pour dérouler 2 juin Capvin là. Détail avec Gentil Augustin Junior. Pour première fois dans l'histoire, li Mexique sous route pour une femme dirigée. Avec des candidats femmes qui menaient dans sondage pour remporter l'élection de juin 2024 là, ça qui provoque espoir et doute dans mitan mexicain yo. Femme pral gen plus opportunité parce que yon femme pral dirige nou. Ki jan gouvernement fait konnen sa femme vle, si moun kap dirige nou yo se garçon. Claudia Sheinbaum, qui gen 61 l'année, candidat parti pouvoir Morena, ak Xochitl Galvez, 61 l'année, c'est candidat coalition opposition, c'est favori yo. Sarah Lovera, yon journaliste spécialisée dans affaires femmes et militante féministe, averti que arrivé yon femme sous pouvoir, pa vle di renverser tout mal qui tracasse femmes mexicains yo. Malgré que li considéré arrivé yon femme sous pouvoir comme yon étape importante. Es inédito, pudiera parecer sans aucun précédent. Et puis ça a semblé étrange et étonnant pour nous. Dans un pays mature, côté yo touye 20 femmes chaque jour, dans ce sens, ça, c'est un test excellent pour la société mexicaine reconnaître que yon femme ka chef l'État. D'après Onifam, en moyenne, yo touye 10 femmes chaque jour dans Mexique. Dans Jalisco, dans l'Ouest Mexique, Yolanda González, kap cherche petite fille, petite li, ak bo fille qui disparaît depuis 2019, prochain président femme nan a représenté espoir pour joindre moun li renmè yo. Moi pense que ka gen yon changement nan politique la sou moun ki disparaît yo, lè gen yon président femme parce que yo se maman. Et puis yo konnen ki sa vle di perdi yon ti moun, soit nan la mort ou soit disparition. Marcelina Cortez, yon résident local, content en pile parce que yon femme ka président Mexique. Moi très content parce que yon femme pral président Mexique. Très content. Amnesty International estime que plus passé 114 000 moun te disparaît Mexique entre 1962 et 2023. Disparition yo, c'est si tout résultat violence cartel drogue yo. En pile moun yo assassiné et puis enterré yo dans caveau clandestin. Cependant, autorité yo gen quelques indications sou côté yo ta enterré et puis yo pa gen assez ressources pour continuer recherche yo. Si Porte Garves ak Sheinbaum yo, des candidats femmes pour élection de juin 2024 kap vini la nan Mexique, excité pour gagner yon président femme. Yo wè sa comme yon geste qui ka améliorer et renforcer droit femme nan pays ya. Nan moment élection yo approche, gen plus attente pour yon changement possible dans leadership ak yon changement nan droit ak sécurité femme nan Mexique. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis dernière inondation qui t'est frappé pays Brésil gain impact sur communauté haïtienne cap vive l'autre bois. Correspondant nous Jessly Cheslif et Jean-Baptiste t'est parlé avec ambassadeur Brésil dans
l'ambassade de pays d'Haïti plutôt dans le Brésil, Chesley. Environ 1000 Haïtiens trouvés en abri provisoire descend à réfugier au Kaizami à cause inondation qui passait dans Rio Grande do Sul. Ces déclarations, ambassadeur Haïti dans pays Brésil là, Rachel Coupeau, dans une interview avec VOA Creole. Diplomate la fait connaître, gué des marches qui guette en fait, bon côté autorité concernée en faveur Haïtiens qui trouvés en difficulté. On va commencer par présenter sympathie nous à toutes victimes de communauté haïtienne de intempérie et bien sûr brésiliens autour. Moyen nous très limité, nous pas qu'à intervenir dans place gouvernement brésilien qui déjà a organisé, mais il était important pour nous pour que nous manifestions nous auprès du gouvernement et autorités brésiliennes en premier temps et aussi par rapport à la population haïtienne qui vit dans l'État. Par rapport à don immédiat, tout staff ambassade là, que c'est gardien, que c'est chauffeur, que c'est agent consulaire, que c'est tout le monde, nous contribuons. Et nous t'ai porté ça, nous t'ai rassemblé à dans le secrétaire d'État aux affaires internationales et district fédéral là pour distribution et dans zone qui est affectée. Parce que j'aimerais dire question logistique là, nous-mêmes nous pas arriver, même si nous t'ai voulu faire bah, arriver, nous obligé passer par et autorité. Nous dans Brasilia, on a pu faire tout ça nous capable, non seulement pour nous mobiliser et ressources locales, autorités locales, mais nous déjà parlé de problèmes ça, nous lever en Haïti tout avec autorité pour écouter gouvernement haïtien dans mesure que le capable font une contribution tout, ne serait-ce que par rapport à la constitution de dossiers, de papiers de messieurs et dames qui perdus, nous pas imaginer tout bagaille, y compris les papiers. Ambassade a annoncé, équipe ambassade là a bien pour visiter communauté haïtienne là, particulièrement catégorie qui est dans situation difficile suite à gros la pluie qui tombait sur Rio Grande do Sul pour assistance nécessaire. Moi rencontré avec équipe commission et équipe ambassade là et nous décidé que le n'a déplacé nous souhaiter déplacer avec bonne nouvelle pour population, pas seulement pour ça qui était et prend rendez-vous déjà parce que il y a à peu près 600 monde qui était prend rendez-vous, mais pour ça qui et déjà qui souffrit kounya de intempérie ça yo. Et pour ça nous rentrer en contact avec deux associations haïtiennes qui étaient dans l'État Rio Grande do Sul et nous commencer des pour parler des échanges avec eux pour nous comprendre exactement comment il y a débrouillé sur le terrain et comment nous ca aider éventuellement. Gemoun qui déjà reprend espoir par rapport au niveau de l'eau qui commençait baisser dans quelques zones. En pile nan yo déjà retourné pour nettoyer kay yo. Cependant, gen yon majorité qui toujours gen gros kè sauté par rapport à yon série quartier qui toujours en bas de l'eau. Chesley Jean-Baptiste pour VOA Creole. Merci Chesley Jean-Baptiste et nan pays d'Haïti, nouvelle fait connait que le conseil présidentiel transition lui-même li saluer réélection président Luis Abinader. Donc on est Luis Abinader depuis dimanche, il a remporté élection qui fait que le pral gon l'autre mandat 4 ans et gain 2 points dans campagne. C'était d'abord et plan économique et puis fermeté le gain par rapport à situation dans pays d'Haïti. Et puis jodi a tout, jodi a ou bien demain t'as supposé gagner yon note qui sorti sous paquet moun qui peut déposer pièce pour Kevin Tounen premier ministre dans pays d'Haïti chiffre là wo, mais il y a kembe 15 là dedans avant que finalement yo font choix définitif pour capable gagner un nouveau premier ministre dans pays d'Haïti. Et puis l'autre point encore dans actualité concernant pays d'Haïti, c'est gang yo qui pas suspend si men latéré et non seulement y a chassé population civile là tout, mais y a crasé un paquet infrastructure police nationale là et nous te gon reportage sur ça avec correspondant nous Renan Toussaint et mais dans la veille ça veut dire hier, te gen yon gros rencontre qui t'est faite entre conseil présidentiel transition avec haut état-major police nationale là par rapport à situation sécurité à dans pays d'Haïti et pendant ce temps Haïti lui-même l'a tonne arrivé 200 et un groupe 200 policiers pays Kenya dans moment que président William Ruto avec première dame là trouvé dans Washington côté que il a rencontré avec président Joe Biden noté gain Jean-Robert Philippe qui était depuis la Maison Blanche té banou un flash demain encore n'a gain Jean-Robert Philippe encore cap gain pour aller encore la Maison Blanche c'est envoyé spécial nous dans occasion visite d'état président Kenya
William Ruto. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Chef pupitre là, c'était Jean-Marc Hervé Abella. Et bien, le gendre là, en taureau, qui c'est gentil Augustin Junior. Et puis, merci tout le monde. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.